Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc 7. Luc d'après nous. Verset 11 jusqu'au verset 17. Et quand il m'a brûlé le cou, et il m'a brûlé le saut. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen, amen. C'est à partir de cette portion biblique que je vais m'adresser ce soir au peuple de Didier Vie. Et le thème que nous allons traiter à partir de ce passage biblique, c'est « Il y a de l'espoir pour toi ». Tu as quelqu'un qui est à côté de toi. Il y a de l'espoir pour toi. Toi qui m'attends ce soir, j'affirme à partir de la parole de Dieu que ce n'est pas encore gâté. Ce n'est pas encore détruit. Il y a de l'espoir pour toi. Bien-aimé, revenons à cette femme. La Bible dit que elle a perdu son époux. Elle était veuve. Et elle avait un seul enfant. Un seul enfant. Elle avait non seulement la douleur de la mort de son mari et le seul enfant qu'elle avait, la mort n'a pas cherché ailleurs sur cet enfant qui a été frappé par la mort. Et voilà que Jésus décide d'aller dans cette ville. Comme nous avons décidé de venir ici à Didier Ville. Et à l'entrée de la ville, Jésus était accompagné de ses disciples. Moi, Jésus, foule. Voit qu'on envoie au cimetière. Le seul enfant. L'enfant unique de sa mère, un jeune homme qui était mort, celui-là même qui était l'espoir, tout l'espoir de sa mère. Et Jésus, lorsqu'il a rencontré les porteurs de cercueils, lorsqu'il les a rencontrés, il a vu la main en pleurs. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu n'arrives pas à dormir. Tu ne fais que pleurer pour ta situation. Tu ne fais que pleurer pour des problèmes. Tu ne fais que pleurer pour la maladie. Tu ne fais que pleurer.
Je vais te dire ce soir. Il y a de l'espoir pour toi. La Bible dit, quand Jésus a vu cette femme qui venait de perdre son fils unique, il fut ému de compassion. Alléluia. Amen, amen. La compassion, qu'est-ce que en voici? C'est la pitié qu'on a pour les malheureux. Revenez ici à Didiévi. C'est pour lui dire que Jésus a pitié. Mais c'est que Jésus s'y a moins voué. Il a pitié. Jésus s'y a moins voué. Et comme il a pitié à cause de ta maladie, il a le sentiment. Ok, on voit vers nous. De partager cette souffrance avec toi. Et quand il a eu cette pitié de la femme, la Bible dit, il a touché le cercueil. Il a touché le cercueil. Et il a dit, jeune homme, lève-toi. Et la parole de Dieu déclare, de façon instantanée, oui, le seul qui était mort s'est assis et s'est mis à parler. Peuple de Didiévi, vous qui m'écoutez, où que vous vous trouviez, quoi que vous fassiez, je vais vous dire, même si c'est mort, même si c'est mort, même si y a soi, le Saint-Esprit, je suis à la capacité de faire revivre ce qui est mort dans ta vie. Je dis, le Saint-Esprit a la capacité de faire revivre ce qui est mort dans ta vie. Voilà que Jésus, d'une part, la mort au milieu, le cadavre au milieu, le peuple derrière. Quand nous avons fait les recherches dans ce village de Naïn, il y avait des marabouts. Ils n'ont pas pu ressusciter le jeune homme. Il y avait des grands sorciers. Ils n'ont pas pu ressusciter. Il y avait des grands féticheurs. Ils n'ont pas pu ressusciter les morts. Il y avait des riches. Ils n'ont pas pu ressusciter les morts avec leur argent. Il y avait le peuple. Le peuple n'a pas pu faire quelque chose. Il y avait des charlatans. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais quand une personne que je connais, son nom est Jéhovah, l'étoile brillante du matin, lorsqu'il a rencontré la mort, de la mort, le jeune homme est passé à la vie. C'est pourquoi je lance cet appel. Si toi aussi, tu prends le courage à deux mains et que tu viennes rencontrer le Seigneur, notre Sauveur, tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Je dis, tu vivras. Tes affaires vivront. Tes enfants vivront. C'est pourquoi cette femme, lorsque Jésus a rencontré et qu'il a touché, l'enfant est ressuscité. Et il dit, femme,
tiens ton enfant. Le désespoir qui était dans le cœur de cette femme. J'imagine la joie. J'imagine la paix. J'imagine la gloire qu'elle a rendue à l'Éternel. Parce que le Seigneur lui a donné l'espoir. Dans ce matin, depuis longtemps, tu souffres d'une maladie. Depuis longtemps, quand tu dors, c'est toi que les animaux féroces poursuivent. Quand tu dors, c'est toi qui es enchaîné. Jésus est apparu pour te délivrer. Jésus est apparu pour te libérer. La prison de la mort doit être détruite ce soir. Au nom de Jésus. Dans le livre de Jean, Jean 5, verset 2 au verset 10. La Bible dit que il y avait une piscine appelée Bethesda et les différents portails de cette piscine. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des paralytiques, des malades, n'importe quelle maladie. Ils étaient couchés au portail. Et un jour, Jésus est arrivé. De la manière qu'il est arrivé ici à Didierville. Et il a vu un monsieur. La Bible dit que ce monsieur était couché là. À la piscine. Le Saint-Esprit descendait. Il agitait l'eau. Quand l'eau est agitée, la première personne qui descend est sauvée et guérie. Et ce monsieur, depuis 38 ans, est couché là. Et quand Jésus l'a vu, Jésus lui a posé la question. Jésus, c'est le quoi ça? Veux-tu être guéri? Didier, oui. Je te pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Qui veut être guéri? Qui veut être délivré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Qui veut vivre encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Qui veut le succès? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Qui veut les enfants? Qui veut le mariage? Qui veut la libération? Si tu m'attends, si tu m'attends, Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Et quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. C'est vrai. Tu as parcouru les hôpitaux. Tu es allé de marabout en marabout. Tu es allé de féticheur en féticheur. Tu es allé même adorer des eaux. Tu es allé même adorer les montagnes. Il n'y a pas de solution. Et au moment je parle, tu es dans le désespoir. Je te déclare que Jésus est venu à Didierville pour faire naître en toi l'espoir que tu as perdu, l'espoir que tu as perdu. Et Jésus va lui dire, monsieur, prends ton lit et marche. La Bible dit que au même instant il a marché. Ton miracle est encore possible. J'ai dit, ton miracle est encore possible. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a un an de cela, au moment nous étions en pleine activité d'organisation,
Je m'engage. Je vais traverser la route. Le car est passé. Et je ne voyais rien. Au moment où je me suis engagé, j'entends un engin klaxonner. Je regarde à ma gauche. C'est une moto qui venait en flèche. J'ai dit, je vais sauter devant. Et il va passer derrière. Là où j'ai sauté, c'est là-bas il voulait me dévier. Et il m'a pris. J'ai sauté, mais il m'a pris encore avec le guidon de la moto. Il m'a lancé en l'air. En tombant de tout mon poids, mon pied droit est entré en bas de moi, je suis tombé dessus. Et la jambe que voici est fracturée. Alléluia. Amen, amen. Mais ce n'était pas un accident simple. Ça a été préparé depuis dans ma famille. La mort était préparée. Mais comme je crois en Jésus, on lui est place de la mort, l'Éternel m'a donné la libération, la guérison. Jésus a folie. Aujourd'hui, ça fait 4 mois dans un fauteuil roulant. J'ai fait 3 mois avec des béquilles. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à l'Éternel. De mon poids, je saute. Parce que l'Éternel a dit non à mes parents. Si toi aussi, au moment où je vais me taire, si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, ta vie sera sécurisée. Quelqu'un a chanté, si tu es en Jésus, ta vie est sécurisée. Tes affaires sont sécurisées. Et la grâce de Dieu est sur toi. Je le dis et partout je passe, je le déclare. Accorde la grâce de Dieu. Que je mange ou non, je grossis seulement. Il y a des gens qui ont fait accident avec moi. À la même période, à l'heure où je vous parle, il marche avec des béquilles. Des béquilles en main. Mais, à cause de la marche avec Jésus, Dieu m'a libéré. Et quand nous passons la radio, l'os a été parfaitement soudé, comme s'il n'y avait rien. C'est Jésus qui fait ça. Et Jésus veut faire aussi pour toi. Jésus veut faire aussi pour toi. Et comme il veut le faire pour toi, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le vrai chemin, bien-aimé. Le vrai chemin, c'est la voix de Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir à suivre la voie de Jésus, à suivre le chemin de Dieu. Beaucoup ont pris le chemin des fétiches. Ils sont dans cette terre. Beaucoup ont pris la voie de la vie facile. On les a enterrés. Mais en Jésus, c'est quoi Jésus, lui? Il y a de l'espoir. En Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a le salut. En Jésus, il y a la guérison. En Jésus, il y a la délivrance. Je connais cet homme. Ma Bible dit que ils ont mis la main sur lui. Ils l'ont enterré.
Au premier jour. Au premier jour. La terre a commencé à se plaindre. Je dis, la terre a commencé à murmurer. Au troisième jour. Il a dit mon sauveur. Il a dit créateur. Que fais-tu ici? Tu n'as pas ta place ici. Et la Bible nous dit que au troisième jour, il est sorti victorieux de la mort. C'est ce Jésus que je te parle. C'est ce Jésus que je te parle. Je connais son nom. Je connais ses œuvres. Je connais son pouvoir. Je connais son autorité. Je connais sa libération. C'est pourquoi, là où tu te trouves, maintenant même, je dis c'est maintenant. Si tu es prêt à expérimenter cette grâce dans laquelle je suis, cette grâce de salut, cette grâce de délivrance, de guérison. Si tu es prêt à donner ta vie à ce Seigneur qui m'a libéré, reste à ta place et lève la main. APC TV, la chaîne du réveil.